Il est 7h54. Oui. Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Isabelle Bauer nous présentait son livre Laissée pour morte dans l'enfer des violences conjugales. Eh bien, je suis ravi, Isabelle, après cette discussion joyeuse et espiègle sur le féminicide. Il faut avouer que la transition picote un peu, hein, oui. Yves. Un petit peu. On rappelle ce chiffre terrible de 122 victimes. Et maintenant, place à la gaudriole. Fais nourrir avec Philippe Cavrivière. Voilà, parler des violences conjugales pour un humoriste, c'est comme faire de la trottinette pour un non-voyant. Ou du patinage pour un unijambiste. Ah oui. C'est casse-gueule. Quand le pire étant quand même de la trottinette pour un unijambiste, vu que... Ouais, bon, vous avez compris. Amandine, j'ai pas compris, vous êtes là tout le temps, Amandine. Tous les jours, je serai là. C'est la journée de la femme, aujourd'hui. Non, nous co-présentons la matinale d'RTL. Ah, d'accord. Avec Amandine. Comme me disait Louis Baudin, hors antenne, c'est encore un coup des féministes. Mais moi, je trouve ça super, ce duo, Amandine et Yves, Amandive, un peu. Ce que je vous demande de ne pas faire, c'est de ne pas nous faire une Sophie d'avant William Lémergie. Hein. S'il vous plaît, on sépare slip et boulot. Ah oui. Comme moi et Roselyne Bachelot. Et Dieu sait si elle m'a harcelé. Alors attention à vous, Yves, quand même. La dernière fois que j'ai vu un duo mix, c'était Laurent Ruquier et Léa Salamé. Ah, oula. Maintenant, il n'y a plus que Léa. Faites gaffe, elles sont fourbasses. On le sait. Petite précision, on est rediffusé sur M6 à 13h20. Oui, alors, à ce propos, je vais être indulgent aujourd'hui. Vous n'étiez pas au courant qu'on serait à la télé, là. Non. Mais à partir de demain, je vous demande de faire un effort vestimentaire. Ah, oui. Ouais, parce qu'on n'est pas chez les babos de France Inter. Hein. C'est RTL, ici, il y a un standing. Oui. Alors, merci à Louis Baudin, quand même, qui a mis un froc ce matin. Oui. C'est vrai que ça nous a tous surpris. Et c'est plus agréable que de vous voir en calbut. Oh là là. Bon, écoutez, revenons à notre sujet, oui, quand même. S'il vous plaît. Les féminicides qui ont donc, une fois de plus, augmenté. 20%. Bravo, messieurs, on fait mieux que l'inflation. Ce chiffre me donne à chaque fois honte, Isabelle, d'être un homme, car on le sait. L'homme est laid. Et pour vous dire combien l'homme est laid, c'est un vrai chiffre. Hein. Les femmes handicapées subissent quasiment deux fois plus de violences que les valides. C'est dire si l'homme est con en plus. Elle est déjà abîmée, ta femme. Ne tape pas dessus, abruti, ça ne va rien arranger. Une femme handicapée n'est pas une télécommande, je le précise. Bon, vous nous faites un petit résumé de l'actualité de l'été, Philippe, hein, en très court. Alors, summer 2022, je vous mets une canicule des incendies de l'Ukraine, un beluga euthanasie, un carpaccio de Salman Rushdie, et on a dit au revoir à Olivia Newton-John, la partenaire de John Travolta, comme quoi la fièvre du samedi soir se guérit mieux que le cancer du dimanche matin. C'est diffusé sur M6 en même temps. Attention, oui, la ménagère, oui, faut s'accrocher. Alors, dis donc, vous avez vu cette affaire, la prison de Fresnes transformée en aquapark? Putain, il a gueulé, Eric Dupont-Marron. Oui. Il a dit non, monsieur, la prison n'est pas un aquaboulevard. Bon, le directeur au téléphone, il dit je suppose que pour les 30 putes, ça va être non aussi. 25 putes. Bon, ben, il veut pas, les gars. Hein, oh non, c'est comme ça. 13h20, la ménagère. M6. Voilà. Là, elle met la tête dans le Thermomix pour plus écouter. Femme, Thermomix, bravo, on progresse. Oui. Vous avez néanmoins été attentif à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Oui, très. Voilà. Abdel Kader, j'adore cette musique. Oui, et vous voyez, c'est là où j'ai regretté de ne pas avoir voté pour Marine Le Pen. Parce que les images de Marine Le Pen dans les rues d'Alger en balade, mais on oui. aurait tous aimé. Salam, salam alaikum, les royas. Oh, on dirait c'est joli, on dirait Marseille. Macron, vous avez dit, c'est faux spiller. Oui. C'est quand même dommage de faire 3 heures d'avion, de dépenser des milliers d'euros pour se faire insulter par la foule. Il pouvait rester en France, il allait dans n'importe quelle ville, en Ouigo, Manu. Mais ce qu'il il se faisait insulter pareil et pour moins cher. Bon, allez, un mot sur l'expulsion au nom de l'imam Iqi Hussein vers le Maroc. Quelle est votre position? Écoutez, je ne commenterai pas une décision de justice. Non. Je déconne, je m'en branle. Oui. Ben oui, il faut qu'il dégage. Pardon, j'ai passé 2 mois à Fréjus, un CRN là-bas, donc ça va me passer, j'ai des petits relents de racisme. Alors, non, sérieusement, il a eu des propos antisémites et anti-femmes, il faut le raccompagner gentiment vers le Maroc. Et puis, qui n'a pas envie d'aller à Agadir au mois de septembre? Il a de la chance, monsieur. Eh, messieurs, ici votre commandant de bord, Gérald Darmanin. Bienvenue sur Casbah Airlines. Vol, allez, sympa destination de Ouarzazate. Nous sommes ravis d'accueillir à bord l'imam Hassan Iqi Hussein, nos charmantes hôtesses Sandrine Rousseau et Marlène Schiappa. Passons. Vous proposez un large choix de Romousse et Falafel. Et nous vous proposons de visionner en exclu le biopic de Simone Veil, Simone, le voyage du siècle, avec l'excellente Elsa Zilberstein. Ça lui fera les pieds à l'antisémite.
Allez. Oh, la ménagère d'M6 peut décrocher sa ceinture. Bienvenue, Amandine. Merci, Isabelle. Vous êtes l'incarnation de la résilience, chère à Boris Cyrulnik. Vous nous racontez comment, dans ce livre, votre mari vous a tiré à deux reprises dessus. C'est la première fois qu'un bouquin à deux balles est une totale réussite. Achetez-le. Merci à vous. Merci, cher Philippe. À demain. Je vous en prie. Nous prenons... J'espère bien. Les... Ah bah, il manquerait plus que ça. J'ai rendu à l'heure. Oui. Alors là, je ne sais pas. Je vais mettre, une bougie dans une petite chapelle. Mais oui, absolument. Louis, c'est...